Moi, la chose la plus magique, c'est une graine qui a 3000 ans, que l'on reprend, que l'on met comme ça sur de la terre, un peu humide, et qui va faire un brin d'herbe, une plante, un arbre. C'est quand même, ça vaut quand même tous les Game Boy du monde quand même, hein. C'est quand même fascinant. Depuis plusieurs années, depuis l'après-guerre, on a essayé de transformer tous les mangeurs que nous sommes depuis la nuit des temps, quel que soit l'endroit de la planète, en des consommateurs d'aliments. Et il y a eu un mouvement qui est né il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, plus d'une trentaine d'années, qui est l'écologie. Et jusqu'ici, l'écologie avait parlé de l'eau, avait parlé de l'air, avait parlé de l'énergie, des énergies fossiles, mais très peu de l'alimentation. Or, l'alimentation est peut-être au cœur même de l'écologie. Puisque défendre la planète, défendre les océans, c'est une chose, mais la finalité, c'est bien de défendre l'humain. Et l'humain, trois fois par jour, se nourrit. Mais de qui et de quoi? Pour qui et pourquoi? Et on a l'impression aujourd'hui que parfois le consommateur, le mangeur d'hier, mange, survit pour le profit de quelques-uns. Et ce modèle est arrivé à bout de course. Depuis la fin de la guerre, rappelons-nous, on a voulu enfermer le bon dans trois saveurs. Le gras, le sel et le sucre. Ensuite, on y ajoute un texturant et quelques arômes de synthèse. C'est un boulevard pour l'agroalimentaire. Les gens nous disent, on n'a plus envie de cuisiner, donc on va acheter que des plats préparés. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat, je veux dire, d'acheter une carotte râpée, c'est cher. D'acheter une carotte, c'est pas cher. Et en même temps, et c'est là où je viens, le plaisir de cuisiner, c'est pas une tâche ingrate ou compliquée. Il faut effectivement réimaginer des recettes familiales, au quotidien, simples, marrante, intéressante à faire, parce que les cuisines sont plus petites, les gens ont de moins en moins de temps, les mamans, tout le monde travaille, et les grands-mères, elles font plein de choses maintenant, et c'est tant mieux, mais elles font de moins en moins de confitures. Aujourd'hui, on assiste à une véritable fracture alimentaire. Comme il existe une fracture culturelle, il existe une fracture alimentaire, qui est souvent du même ordre, qui est souvent lié à un pouvoir d'achat, bien évidemment, mais pas uniquement. C'est d'avoir eu la chance d'avoir une famille qui s'intéresse aux bons produits, qui nous a ouvert les yeux sur l'importance d'une bonne alimentation, aussi bien d'abord pour le plaisir, mais aussi pour sa propre santé, et puis qui fait partie effectivement d'un art de vivre qui soit très modeste. C'est pas du tout à l'apanage d'une bourgeoisie, mais l'art de bien s'alimenter. Et cette mère, cette maman, ce papa, ce grand-père, cette grand-mère, cette tante qui va préparer une bonne confiture, qui va lui préparer un bon sauté, qui va lui préparer alors je ne vais pas parler de l'animal aux longues oreilles devant la mère, mais d'un plat mijoté, de l'amour de préparer quelque chose de bon. Et les yeux émerveillés de tous les enfants qui ont eu la chance d'avoir justement quelqu'un qui fait cet formidable acte d'amour de vouloir faire plaisir en se mettant à table. Ça commence par un gâteau ou par quelques crêpes. Eh bien, malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas la chance
d'avoir à la maison, alors pour de multiples raisons, et là aussi, il ne s'agit surtout pas de dire, mais oui, mais les gens aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités, nourrissent mal leurs enfants et tout ça. Non, non, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus compliqué. Ben oui, mais les conséquences sont dramatiques de mal se nourrir et de s'alimenter, parce que derrière tout ça, il y a quand même quelques-uns qui s'en frottent les mains et qui font des profits énormes en imposant une alimentation à une grande majorité de nos compatriotes. Et cette absence de prise de conscience, c'est donner un boulevard à ces multinationales. Je rappelle qu'en France, 4 centrales d'achat nourrissent 85% de la population. 4 centrales d'achat. Donc, il y a le sablier entre 450 000 personnes qui produisent en France, en comptant le gros producteur, mais le petit producteur qui amène quelques œufs sur le marché et quelques bottes de poireaux, les 66 millions de consommateurs et le sablier de 4 centrales d'achat. Priver les gens de s'alimenter tel qu'ils l'entendent. Ça, c'est le premier point. Et se rappeler que dans ces centrales d'achat, 70% des achats sont faits à travers 17 marques. Donc c'est très restreint. En fait, il y en a quelques-uns qui se sont appropriés l'alimentation de tous. C'est extrêmement dangereux, parce que ces gens-là n'ont pas la bienveillance et la prise de conscience de ces mamans, de ces papas, de ces tantes, de ces grands-mères, dans cet acte de donner le meilleur pour l'autre, pour qu'il puisse prolonger sa vie. C'est au contraire asphyxier celui qui produit, le monde agricole, le mettre à genoux pour qu'il ne gagne aujourd'hui que 320 euros par mois en moyenne et que 400 de nos agriculteurs se suicident en 2016. Ça, dans un pays comme la France qui est un pays de cocagne, où depuis des siècles, toute l'Europe voulait envahir ce pays parce que c'était le grenier de l'Europe. De voir cette situation est inacceptable. J'ose dire que nous devons mettre en marche une révolution délicieuse. Une révolution qui permette à chacun de revendiquer le droit du bien manger. Mais c'est quoi le droit du bien manger? Et bien, c'est surtout déjà de ne pas s'empoisonner et de ne pas tomber malade. Et donc de pouvoir vivre mieux, plus longtemps, et de pouvoir goûter la vie pleinement. Or là, d'une manière insidieuse, ou parfois pas insidieuse du tout d'ailleurs, les gens se gavent de cochonneries. Parce que qu'est-ce que le bon? Le bon, c'est pas du tout ce qui nous paraît marrant, intéressant au palais. Le bon, il y a trois choses pour qu'une chose soit bonne. D'abord, dans quelles conditions a-t-elle été produite humainement? Est-ce qu'on n'a pas fait... Moi, par exemple, simplement sur des poivres. On peut m'amener le meilleur des poivres au goût. Mais quand je vais sur les lieux, sur les plantations, et je vois qu'on fait travailler des gamins ou que les gens sont manifestement maltraités, ce poivre n'est plus bon. Ou on va m'amener un poivre. Il est très bon au goût. Je vais aller sur le site. On a flingué une rizière, on y va des intrants, on y va les pesticides, on est en train de flinguer complètement l'endroit. Ce poivre n'est plus bon. Et puis enfin, ce poivre, est-ce qu'il va véritablement apporter quelque chose d'intéressant à la santé de l'autre? Donc le bon, ce n'est pas simplement le plaisir sur le palais. C'est comment a-t-il été produit, dans quelles conditions, mainement, au niveau de l'environnement, et puis enfin... Évidemment, est-ce que cet aliment est sain? Est-ce qu'il prolonge la vie de l'autre? Ça, c'est un véritable intérêt. Ensuite, évidemment, les choses doivent être bonnes au palais. Parce que s'ils n'étaient pas bonnes au palais, à ce moment-là, nous les recracherions. Mais c'est simplement en fin de course, ça. Parce que si les fraises tagada étaient bonnes, ça se saurait. Or, on sait tous que c'est une cochonnerie. Alors, certains vont nous dire, non mais, de pouvoir imaginer que
C'est simplement une crise que nous vivons actuellement et que les choses vont aller beaucoup mieux dans quelques mois, quelques années, grâce à la baguette magique d'un tel ou d'une telle. Non. Et on pourrait dire, mais c'est dramatique parce qu'avant c'était beaucoup mieux. Ben moi je pense que demain ce sera au contraire beaucoup mieux qu'hier. Alors je dis, mais c'est pas possible, autrefois c'était beaucoup mieux, il y avait ceci, cela. Non. D'abord parce qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau de la planète d'une jeunesse. Ce qui fait rêver, ce qui nous faisait rêver, nous, ma génération, c'était d'aller dans ces capitales d'Europe. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle a envie d'aller autour de la Terre. Et aujourd'hui, elle a envie de créer ce grand village monde. On est au courant de tous les drames, parce que, évidemment, les médias et la presse a trouvé un fonds de commerce extraordinaire et inépuisable à travers tous les drames humains et dans l'émotionnel. Mais il y a aussi toutes les choses merveilleuses qui se passent dans le monde. On n'en parle pas assez. Mais la prise de conscience d'une jeunesse par rapport à sa planète, par rapport à l'humanité elle-même, est très encourageante. Alors certains vous diront, ah mais ça c'est de l'utopie. Ben, il se trouve que nous sommes des millions à être utopistes. Et je ne sais plus qui disait, l'utopie, c'est le tout début du refus du renoncement. Alors oui, nous sommes dans le tout début du refus du renoncement. Renoncer à quoi ? Ben, renoncer à l'appétit de quelques-uns qui voudraient, en ce qui concerne l'alimentation, parce que j'aimerais revenir sur un sujet. Il y a trois sujets, en fait. Trois vrais sujets politiques. C'est comment allons-nous respirer demain, donc l'air. On nous dit que demain, on ne pourra respirer qu'un jour sur deux dans les grandes villes, dans les grandes métropoles du monde. Quand même formidable. Alors, c'est le jour pair ou c'est le jour impair où on a le droit de respirer? Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment s'hydrater. Mais dans quel état se trouvent nos nappes phréatiques, nos ruisseaux, nos rivières, nos lacs, mais aussi la mer et tous les rivages? Puis enfin, un sujet qui me concerne un tout petit peu plus, parce que depuis maintenant près de 40 ans, je m'intéresse et je cuisine, donc les produits. Et là, l'alimentation, l'enjeu de l'alimentation est absolument capital. L'alimentation étant vraiment au carrefour des enjeux de nos sociétés actuelles. Enjeux sociaux. Enjeux économiques, et là il suffit de voir la fracture du monde agricole, ce monde agricole que l'on a emmené dans cette impasse de la culture et de l'élevage intensif qui ne permet même plus à ces hommes et à ces femmes de vivre de ce qu'ils produisent tellement on a tiré les prix vers le bas, et en même temps de nous donner une alimentation de piètre qualité, sinon parfois qui peuvent entraver notre santé. Enjeux environnementaux, bien évidemment, enjeux culturels, très forts, parce que se nourrir, c'est aussi participer, d'abord, continuer à faire vivre l'histoire d'hier, écrire au présent sa propre histoire et déjà entrevoir l'avenir. Et puis peut-être l'enjeu qui brûle les yeux, c'est l'enjeu de santé publique. On voit les dégâts de l'obésité avec les maladies collatérales, que ce soit les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cancer, les problèmes d'AVC, tous ces problèmes liés à une mauvaise alimentation. Enfin, une alimentation qui est complètement ficelée par de grandes compagnies, de grandes multinationales, pour ne pas les nommer, c'est Monsanto, c'est Bayer, c'est et je t'en mets une couche de pesticides, et je mets une couche de fongicides, et je te mets une couche d'insecticides, et je te mets un coup d'engrais avec des résidus qui restent dans l'ensemble des aliments et que nous stockons. Alors on nous parle d'hygiène alimentaire bactériaux, mais on ne nous parle jamais d'hygiène alimentaire chimique. Et là, on n'est pas dans l'hygiène alimentaire chimique, on est dans l'empoisonnement chimique. Heureusement, le corps médical, parce que bien souvent,
Vous savez, les experts sont parfois, on l'a vu avec les Monsanto Papers, les experts étaient souvent payés par ces grandes compagnies pour prouver que c'était vraiment inoffensif. Et lorsque, par malheur, ces experts donnaient un rapport comme quoi c'était au contraire très dangereux, alors on mettait ce dossier dans le fond du tiroir. Donc cette renaissance, cette prise de conscience, déjà une renaissance, elle commence par une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est dans le cœur déjà de toute une jeunesse dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon. Et pour ça, je vais juste prendre un exemple. Il y a encore 15 ans, le vignoble français était ficelé par l'INAO, battu sur les plans commerciaux par tous ces vins que l'on dit du Nouveau Monde. Et puis, il y a une poignée de gars, d'hommes et de femmes, qui se sont dit, mais et si on faisait du vin, non pas du vin lié à une convention ou à des conventions, ce qu'on appelle les vins conventionnels, mais si on faisait du vin, comme nous pouvions le faire avant-guerre, mais aussi avec une connaissance, une technologie, une compréhension des principes à la fois de la nature, mais aussi de la transformation du vin, parce qu'on ne peut pas dire que le vin soit naturel, puisqu'il a besoin du génie de l'homme pour justement exister. Eh bien, c'est très enthousiasmant de voir ce vignoble français avec tous ces jeunes couples, toutes ces familles, toutes ces équipes, tous ces gens qui sont du Jura, aux Côtes-du-Rhône, en passant par Languedoc, en passant par la Bourgogne, par tout le Val-de-Loire, encore trop timidement dans le Bordelais, malheureusement, mais ils y viendront. Eh bien, ça, c'est très encourageant. Et je crois que cette prise de conscience dans le monde de la terre, dans le monde agricole, alors il y a eu un homme qui avait joué, on peut dire ce qu'on veut, mais la prise de conscience, on a besoin de porte-parole. On a besoin de gens qui, tout d'un coup, donnent un coup de projecteur sur une situation donnée. C'était Mondovino, Jonathan Nociter. Tout le monde a crié, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Mais ce film a réveillé tellement de conscience. Donc aujourd'hui, pour tout ce qui est de l'alimentation, nous sommes, me semble-t-il, dans cette phase. Donc le droit au bien manger, c'est évidemment un combat tous les jours qu'on ne peut pas mener seul. Il y a une multitude de petites choses que l'on peut faire. Par exemple, on peut demander à nos politiques de présenter une TVA dégressive en fonction de l'impact sur l'environnement de tel ou tel produit. Je vais prendre un champ de maïs bourré de désherbants et d'insecticides, pesticides, fongicides. Pourquoi ce champ-là, ce maïs-là, on l'achète un certain prix, on a l'impression de l'acheter moins cher que les autres. En fait, il vaut beaucoup plus cher. Il anéantit, il abîme tout l'air environnant, il abîme les sols, il abîme ensuite, il faut traiter les eaux. Donc tout ça a un coût indirect qui est absolument énorme. Donc il faudrait qu'on imagine une TVA dégressive, en particulier pour tous les produits issus de l'agriculture biologique, qui devraient être bien moins onéreux, que pour rééquilibrer les choses. Celui qui pollue devrait quand même être pénalisé ou être taxé par rapport à celui qui prend soin de la planète et qui, évidemment, va, pour sa culture en agriculture, va devoir embaucher plus de personnes que l'autre. L'autre, il achète que du produit à Monsanto. Et l'autre, il embauche du monde. Mais en même temps, il fait un produit de qualité. Et il est fier de son produit. On change la donne. On doit, évidemment, avoir une lutte draconienne contre le gaspillage, que l'on peut voir dans toutes les grandes surfaces, que l'on peut voir aussi chez chacun d'entre nous, cette espèce d'habitude de jeter. Qui n'a pas jeté? On n'a pas eu le temps, ce soir on fait des nouilles. On a fait trop de nouilles. On jette les nouilles. Et pourtant une salade de nouilles, c'est vachement bon. Ou un gratin de pâtes, c'est très bon aussi le lendemain. Une espèce de truc, la nourriture, c'est pas grave, c'est un produit comme un autre. Non, la nourriture, c'est pas un produit comme un autre. Et justement, l'agriculture, comme l'alimentation,
c'est tout sauf une industrie. Si les familles n'ont pas eu le temps, ou si tout d'un coup il y a eu un loupé par rapport à l'alimentation, eh bien, la France, qui est le pays des droits de l'homme, devrait être le pays du droit de bien manger, et on pourrait instaurer dans toutes les écoles de la République, de 6 ans à 16 ans, l'éducation alimentaire obligatoire dans toutes ces écoles. On va me dire impossible. Mais on a dit la même chose à John Fitzgerald Kennedy, le jour, on était dans les années 60, dans son programme, lorsqu'il voit justement les dégâts de l'obésité qui est en train, cette espèce de pandémie, a déjà à l'époque, dans toute cette jeunesse américaine, il dit qu'il faut absolument que les enfants fassent du sport. Et il rend obligatoire l'éducation physique de 6 ans à 16 ans dans toutes les écoles privées des États-Unis. Les gens ont dit, mais c'est pas possible, il va falloir construire des gymnases, il va falloir former des professeurs d'éducation physique, mais créons de véritables cantines dans les écoles, créons des potagers dans les écoles, formons des professeurs liés, pas des nutritionnistes en disant, faut manger comme ça, pas uniquement des nutritionnistes, des gens qui aiment la nourriture, qui aiment la cuisine, qui aiment manger, permettent de comprendre quoi? Eh bien, d'abord, de comprendre ce qu'est le vivant. Et puis, tous ces enfants qui jouent avec leur tablette, là, de leur réapprendre le jeu des doigts et des mains, de sentir, de comprendre, de toucher une pomme de terre, une carotte, une tomate, une asperge, de l'entendre crisser un chou, de découper un chou-fleur, de simplement couper, peler une pomme. On peut faire des choses superbes. Et puis, cette éducation alimentaire leur permettrait aussi d'apprendre à faire tout simplement une soupe, de tailler un légume, de comprendre ce qu'est un animal, de dire qu'on ne doit pas tuer les animaux, on ne doit pas les nourrir n'importe comment, on ne doit pas les abattre n'importe comment, on doit faire tout ça à une importance, tellement d'importance, parce que tout ça est du vivant. Et puis enfin, au niveau de la géographie, parce que là, c'est presque des sciences naturelles, mais au niveau de la géographie, ou peut-être l'art plastique, mais au niveau de la géographie, comprendre la route et d'où viennent tous les produits. Ce haricot pour notre cassoulet qui vient d'Amérique du Sud, cette tomate que l'on met là, que ce maïs, il vient d'où? Cette pomme de terre, elle vient d'où? Il n'y en avait pas avant. Mais alors qu'est-ce qu'il y avait avant en France? Avant que tous ces grands navigateurs aillent sur les océans, aller chercher ces produits. Mais d'où vient-elle la courgette? Mais d'où vient-elle l'aubergine et l'ananas et l'artichaut? Fascinant. Et puis le cacao, mais c'est quoi le cacao? C'est dans une tablette, là? C'est la poudre? Non, non. Le cacao, c'est une formidable cabosse. Elle est blanche à l'intérieur. Oh, elle sent pas très bon comme ça. Il va falloir aussi le génie de l'homme qui va la faire fermenter et qui va en faire cette saveur délicieuse qu'est le chocolat. Toutes ces routes des produits permettent de comprendre à la fois la géographie, mais aussi l'histoire et peut-être l'histoire de l'humanité. On présente toujours l'histoire avec les combats, les conquêtes, les dates de machin, de trucs, le roi qui a tué l'autre, machin. Mais l'histoire des aliments, l'histoire, alors que les conquêtes, c'est la guerre et c'est la mort. Alors que l'histoire des produits, c'est l'histoire de la cuisine, du plaisir, mais de la vie, au contraire. Et ça, c'est une manière aussi de porter tout d'un coup un éveil à tous les enfants du monde, différemment sur le regard qu'ils vont tout d'un coup ingérer, qu'ils vont les construire. Et bien je peux vous dire que quand ils vont rentrer à la maison ensuite, bien la maman et le papa, ils ne vont pas être obligés de faire n'importe quoi. Quand ils disent non, moi j'ai appris que ceci et que cela. Mais il faut leur transmettre ces choses. Et puis, il faudra évidemment, là on peut parler de la théorie, mais il faudra aller dans la pratique. C'est-à-dire qu'il y aura ce potager, mais c'est aussi d'aller directement de la ferme à la cantine, la ferme locale à la cantine. Et les enfants pourront passer éventuellement faire aussi un stage en cuisine dans leur propre cantine. Ça se fait déjà aux États-Unis. Sur la côte Est comme sur la côte Ouest, qui avait été initiée par une femme merveilleuse qui s'appelle Alice Waters, qui était la conseillère de Michelle Obama, quand on voit aujourd'hui le grand président américain
On savait que ce grand président n'aimait pas les étrangers. On ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, en détruisant et en reconnaissant la junk food aujourd'hui dans toutes les cantines des États-Unis, il pouvait à ce point souhaiter empoisonner toute la jeunesse américaine. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Ils vont s'empoisonner grâce à ce président. Donc heureusement que des communautés prennent conscience. Et c'est la raison pour laquelle moi j'espère notre président, notre nouveau jeune président, à qui on peut souhaiter que le meilleur pour le pays, a parlé de Grenelle alimentaire. J'espère qu'il sera bien mené, bien orchestré, et que les questions et les vrais problèmes seront véritablement soulevés et surtout résolus.